vient de s'imposer. Allez, le dernier tour pour Marvin Musquin, qui lui aussi maintenant a une avance assez confortable. Derrière lui, il y a Ken Roxen, donc à 4 secondes. Aucun souci pour Musquin. Ah, il ne fallait pas faire d'erreur hein, tout de même pour Marvin, puisque Ken Roxen est resté à l'affût, pas très très loin justement. Troisième, c'est toujours Gauthier Paulin devant Rui Gonsalves et Steven Frossard. Les écarts n'ont pas changé. À noter tout de même qu'Anthony Boissière a doublé Marcus Schiffer pour la sixième place. Il a fait une belle deuxième manche, hein, Anthony, après ses petits soucis de tout à l'heure, malheureusement. Allez, le dernier tour, nous y sommes avec Marvin Musquin qui va prendre la troisième place de ce Grand Prix en remportant une manche. Le deuxième homme se nomme Steven Frossard, vainqueur d'une manche lui aussi, et cinquième.